Bonjour, mon nom est Hélène Théolis, spécialiste d'application PDM au soutien technique chez SolidExpert. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fonction « Définir la révision ». Lorsque vous importez de nouvelles données dans la voûte, il y a une amélioration dans PDM 2016 qui vous permet de conserver la révision existante dans vos fichiers pour vous permettre de commencer vos révisions PDM au bon niveau. Ici, j'ai trois fichiers qui viennent d'être ajoutés à ma voûte. Ils sont à la révision E, C et B. Ils n'ont jamais été approuvés. Dans les versions précédentes de PDM, la version de vos fichiers commencerait à la révision A. Mais avec la fonction « Définir la révision », vous pouvez appliquer à PDM la version préexistante qui se trouve dans vos fichiers. Dans le menu « Modifier », choisir « Définir la révision », faire un clic de droit dans la fenêtre, puis choisir « Définir toutes les valeurs des nouvelles révisions » sur la valeur « Variable de carte ». Les révisions sont maintenant au niveau voulu. Lors de la première approbation dans PDM, les fichiers iront à la version F, D et C. J'espère que vous avez apprécié cette minute technique.